Dans nos villages, la fabrication de l'huile de palme est une activité ancrée dans la tradition. Après la récolte, les régimes de palme sont transportés au village où les graines sont soigneusement détachées du régime. On commence comme ça, on s'en charge. Voilà les trois roues là qui sont là. On quitte là-bas pour venir. Il y a les roues aussi dans le sac là. Il y a les fruits qui sont dans le sac là. Ça là aussi c'est les régimes. On coupe comme ça et puis on l'enlève. Les graines sont ensuite versées dans de grands fûts coupés pour la préparation. Quand les graines arrivent à mon niveau, je les mets dans la marmite pour la cuisson. Après la cuisson, je conserve 3 jours après, nous allons piler à la machine. Puis, nous mettons dans la marmite pour crier avec beaucoup d'attention. Après la fermentation, vient l'étape du broyage mécanique. Avant d'utiliser la machine, les graines sont rigoureusement préparées pour maximiser l'extraction de l'huile. Fais tout là comme ça. Là, c'est une machine pile graines là. Là, on dépose une cuvette là en bas. Là, on dépose, comment on dit, une bâche. Là, il la redescend direct. Voilà. Une fois prête, les graines fermentées passent au broyage. Mais sur le plan économique, ces femmes qui produisent l'huile gagnent souvent bien moins que ce que leur travail intense pourrait mériter. Il n'y a pas assez d'argent dans cette activité. 3 de cette marmite que vous voyez, quand tu presses l'huile, tu n'obtiens qu'une barrique. Maintenant, les acheteurs ne payent pas nos produits comme on le veut. Pendant ce temps, le propriétaire de la machine tire profit de chaque étape du processus. À travers cette activité, j'arrive à m'en sortir un peu. Bon, j'arrive à nourrir la famille. Et puis bon, faire mes petites applications, mes petits trucs avec quoi. Voilà, un peu d'argent de poche, ça va. On fait la barrique, de 200 litres à 1500, bon, avec les femmes. Il y a des jours là, tu peux faire au moins 15 à 20 000. Voilà. Quand il y a la graine seulement là, ça passe. Alors que les femmes persistent face aux difficultés, la question de la juste rémunération de leur dur labeur reste ouverte.